je te loue, je t'adore, je te célèbre, je te célèbre, roi de mon cœur. Encore une fois, je te loue, je te loue, je t'adore, je t'adore, je te célèbre. Encore une fois, roi de mon cœur. Oh oui, je te loue, je te loue, je t'adore, je te célèbre. Roi de mon cœur, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur, Emmanuel, 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 Emmanuel. Je te célèbre, l'air roi de mon cœur. Encore je te loue, je t'adore, je t'adore, je te célèbre, je te célèbre. Encore roi de mon cœur, roi de mon cœur. Oh oui, je te loue, je te loue. Ce matin, je t'adore, Jésus, je célèbre, roi de mon cœur. Oh oui, je te loue, je te loue. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur, Emmanuel, 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 Emmanuel. Oh oui, Emmanuel, Dieu parmi nous, Emmanuel. Parmi nous, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Oh oui, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel,
déployé le ciel comme une tente. Tu as placé ta demeure encore au plus haut. Les nuages te servent de char éternel. Tu te déplaces sous les ailes du vent. Tu prends les vents comme messagers. Le feu est à ton service. Shalom, 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 famille TPS, soyez bénis ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous visite encore et surtout que le Saint-Esprit vous fortifie en ce soir. Est-ce que le son est bon? Voilà, dites-moi si le son est bon. Aïe, 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 Victoire, s'il te plaît. Ça, non, c'est pas possible. Victoire, encore là, ça va pas du tout. Là, ma tête, là, c'est pas bon. Ferme, ferme, non, ferme. Mets le rideau, puis tu regardes dans le petit carré. Voilà. Ferme le son. Ferme le son. Re-shalom, voilà, je suis de retour, soyez bénis. Alors s'il vous plaît, partagez la vidéo, aimez la vidéo, soyez un sycomore et j'espère que vraiment vous êtes fortifiés, que vous êtes bien reposés et que voilà, nous pouvons commencer notre session, notre session de ce soir, de cette nuit. Voilà, toi allez, et toi. Toi, viens. Voilà, que gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Viens. Essaie de mettre une bonne couleur par rapport à moi, que ça corresponde un peu. Voilà. Donc, on partage la vidéo. Voilà, on partage. Nous sommes dans la prière. Vous savez, les 70 jours de jeûne et prière, c'est la guerre de la prière. Si vous voyez bien ce que j'avais écrit en dessous. La guerre de la prière. Donc, ça veut dire que tu es fatigué, mais tu es quand même appelé à prier. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle, comme pour les militaires, là, on t'appelle, quoi. On fait appel à toi. Hein? Tu es appelé à prier. Alléluia. Comme les personnes qui sont appelées au front. Donc, même si tu es fatigué. Vous savez, Poutine, ce qu'il a fait en Russie, Poutine a appelé les réservistes. Il a pris des réservistes qui devaient se présenter. Donc, qu'ils le veuillent ou pas, ils doivent aller en guerre. Donc, quand on a des programmes de prière comme ça, quand on a des programmes de prière, comme les 70 jours de jeûne et prière comme ça, c'est des programmes où tu dois dépasser les limites de ta force. Tu es appelé au front.
voyez, tu es appelé au fond, tu es appelé à la prière. Donc, tu n'as pas le choix. Tu es fatigué, mais tu forces ton corps. Tu forces ton corps à la prière. Ah, tu es forcé, tu n'as pas le choix. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie en tout cas. Je sais que ce n'est pas évident, mais le Seigneur va faire grâce. Alléluia. Il va faire grâce et inviter déjà les autres à se connecter. Dites-leur qu'on est déjà là. Envoyez le lien, envoyez-leur le lien. Envoyez-leur le lien, comme ça ils vont nous rejoindre. Donc les réservistes là, venez, venez, venez à la prière. C'est la guerre de la prière, on n'a pas le choix. Il faut prier. Dans la vie, vous savez, il y a deux genres de personnes. Il y a les chasseurs, il y a ceux qui sont des chasseurs, il y a ceux qui sont des chassés. Les chasseurs et les gibiers, ou les chasseurs et les chassés. Et je prie que tu sois parmi les chasseurs, et non pas parmi les gibiers. Parce que si tu es un gibier, c'est toi qu'on va attraper. Gloire à Dieu. Donc c'est très important de... Voilà, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur te fortifie. Dis à ton frère qui est à côté, dis à ta soeur qui est connectée, que le Seigneur te fortifie vraiment. Sois fortifié. Je comprends, mais sois fortifié. Reçois la force du Seigneur. La Bible déclare que la joie du Seigneur sera notre force. Alors, quand on se connecte dans la prière comme ça, on doit être dans la joie. Parce que c'est la joie du Seigneur qui est notre force. Alléluia. La joie du Seigneur est notre force. Gloire à Dieu. Je vais prier le Seigneur et nous allons commencer notre session. J'aimerais que les autres puissent arriver, envoyer les vidéos, partager, partager, pour que les autres arrivent rapidement. Voilà, partageant. D'ailleurs, moi-même aussi, je n'ai pas encore partagé. Franchement, il faut que je partage. Voilà. Partager, partager, partager. On n'a pas le choix. Ce monde dans lequel nous vivons demande que nous puissions prier. Si tu baisses les bras dans la prière, alors tu deviens la proie du diable. Il faut prier, je vous assure. Il faut prier. Il faut prier. C'est important. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, je partage. Merci Seigneur Jésus. Voilà. Merci Jésus. Alors je vais prier le Seigneur et nous allons commencer notre session. Tendre Père, nous te bénissons encore. Merci pour cette nuit de prière. Merci Seigneur, ô Dieu, de nous avoir encore attirés dans ta présence. Seigneur, je prie que tu fortifies encore tes enfants. Fortifie chacun par le Saint-Esprit. Là où il y a la fatigue qui est rentrée, là où il y a, Seigneur, peut-être le découragement ou la fatigue de la journée, ou n'importe quelle chose qui contribue, qui est en train de contribuer à la fatigue. Seigneur, je te prie de relever, de donner la force à tes enfants. Et que cette nuit soit une nuit de victoire, une nuit de grâce, une nuit de sagesse, une nuit, Seigneur, où tu vas encore donner la victoire à tes enfants. Et où, Seigneur, la victoire va changer de camp, où la victoire va changer de côté. Cette nuit, que ce soit la nuit, Seigneur, ô Dieu de gloire, où quelqu'un va récupérer, Seigneur, sa destinée. Une nuit où quelqu'un va rentrer dans son Rehoboth, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, prends le contrôle et règne, soit le contrôle et soit le maître, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc je disais que dans ce monde, il y a deux catégories de personnes. Il y a les chasseurs et les chassés. Les chasseurs et les gibiers. Il y a les dominants et les dominés. Ça, c'est partout, ça sera comme ça. Il y a où tu es dominant, où tu es dominé. Alléluia. Tout est où tu es dominant, où tu es dominé. Oh, excusez-moi. Ici, chez moi, ça commence à tourner. Voilà. Ici, chez moi, ça tourne. Où tu es dominant, où tu es dominé. Gloire à Dieu. Dis avec moi, dans ce monde, il y a les dominants et les dominés. Gloire à Dieu. Dominant et dominé. Alors, tu dois faire partie de ceux qui dominent.
Tu dois faire partie des dominants et non des dominés. Alléluia. De grâce, il faut faire partie des dominants et non des dominés. Parce que les dominés seront toujours sous le joug ou sous l'oppression d'une autre personne ou d'une entité ou d'un esprit. Or, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force, un esprit de puissance qui crie « Abba Père ». Ça veut dire que tu as en toi un esprit de dominant. Parce que le Christ qui vit en toi, c'est le lion de la tribu de Juda, c'est un esprit de dominant. Et j'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, le changement de ta vie est entre tes mains. Je vous assure, le changement de ta vie est entre tes mains. Dis à ton frère à côté de toi, dis-lui, le changement de ta vie est entre tes mains. Ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de pasteur. C'est trop facile d'accuser les pasteurs. Ah non, mais c'est ce pasteur-là. Non, c'est cette église-là. C'est à cause d'eux que je suis malade. C'est pas vrai, tu es un menteur. Alléluia. Ça dépend que de toi. C'est ce que j'ai compris. Dans la foi, tout dépend que de toi. Des fois, même Dieu te regarde et Dieu attend. Ça dépend que de toi. C'est pour cela que vous allez voir, à chaque fois que Jésus rencontrait une personne qui avait un cas, il posait la question, veux-tu être guéri? Oui, Seigneur, je le veux. Parce que tu le crois à cause de ta foi, alors reçois ta guérison. Veux-tu, que veux-tu que je fasse pour toi? Pourquoi Jésus, qui est Dieu, posait toujours la question à une personne, que veux-tu que je fasse de toi? Que veux-tu? Alors qu'il voit bien la situation, il voit bien la circonstance, il voit bien le problème de la personne. Mais il pose la question, pourquoi? Parce que le Seigneur voulait que la personne contribue, en fait, que la foi de la personne puisse parler. Que la personne puisse lui-même dire de sa bouche, qu'est-ce qu'il veut? Que veux-tu que je fasse de toi? Que je recouvre la vue? Je le veux, recouvre la vue. Que veux-tu que je fasse de toi? Que je sois pur? Je le veux, sois pur. Il y a toujours une collaboration de ta part que Dieu va demander. Ça ne va pas tomber du ciel. Donc, quelqu'un qui n'aime pas la prière, quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui ne participe pas au programme qu'on peut proposer dans l'église, quelqu'un qui ne participe pas au programme qu'on peut proposer dans le ministère et qui s'attend à recevoir une visitation, ça va être difficile. Parce que le Seigneur a besoin de ta foi. Le Seigneur a besoin de ta collaboration. Alléluia. Alors ne sois pas un dominé, sois plutôt un dominant. Ne permets pas à la maladie de te dominer. Non, 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 je vous assure, non. Pas à cause de la maladie que je vais baisser les bras. C'est pas à cause de la maladie que je vais baisser ma prière. Ce n'est pas à cause de la maladie. Bien aimé, j'ai regardé une vidéo aujourd'hui d'un handicapé. C'est-à-dire, il est infirme. Les mains sont comme ça, hein, et comme ça là, donc courbés. Les pieds sont très courbés, sont tout petits. C'est-à-dire, il marche avec le ventre, mais il est en train d'adorer Dieu. Il chante avec un micro. Il tient, malgré, c'est difficile, mais il tient. Il adore, il chante, il loue Dieu. Et toi qui as tout, tu as juste un petit mal de dos, tu as un petit mal de pied, un petit mal de tête. Tu as la capacité de chanter avec ta bouche. Tu as la capacité de prier, mais tu ne le fais pas. Il y a des personnes qui vont arriver au ciel, les handicapés qui louaient Dieu sur la terre, qui n'avaient pas la capacité, mais qui louaient Dieu sur la terre, vont les accuser devant Dieu. Ta vie dépend de toi. Oh, ceux qui sont au travail, que le Seigneur vous fortifie. Vous qui êtes au travail, vraiment nous compatissons. Ta vie ne dépend que de toi. Arrêtons de chercher des fautes. C'est la faute de l'église. Non, j'étais dans cette église, c'est bizarre, je suis malade. Ça ne dépend que de toi, parce que le Seigneur a besoin de ta foi. Ce n'est pas la foi de l'église, c'est ta foi. Le Seigneur a besoin de toi. Il y a des personnes, moi il y a des choses qui me révoltent. Quand je vois un enfant qui est malade et que les parents ne prient pas. Quand je vois un enfant qui a un problème mental, mais les parents ne prient pas. Quand je vois un enfant qui a des difficultés, vous voyez que cet enfant a des problèmes sérieux, mais les parents sont en train de dormir. Les parents sont en train de dormir. Et ils attendent que ça se fasse. Bien aimé, tout va dépendre de toi. Ce monde est un monde, bien aimé, où l'ennemi s'est acharné. Le diable a relâché ses démons. Le diable s'est acharné. Mais Dieu nous a donné une force. Dieu t'a mis entre tes mains une puissance. Dieu a mis entre tes mains une bombe atomique. Cette bombe atomique, c'est la prière. La prière. Mais si tu n'utilises pas la prière, comment veux-tu que les choses puissent changer? Tu dois prier. Tu dois être un dominant et non pas un dominé. Alléluia. Tu dois être un dominant et non pas un dominé. Et pour être un dominant, tu dois te lever dans la prière. Même quand tu es fatigué, mais tu pries. Tu pries, tu pries, tu cherches Dieu. Ne lâche pas Dieu tant que tu n'as pas reçu la solution. Jacob s'est battu avec l'ange jusqu'au matin.
La Bible dit que Jacob combattait avec l'ange. L'ange disait, laisse-moi partir. Il disait, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as pas béni. Je ne te laisserai pas partir. Bien-aimé, nous devons avoir la mentalité de Jacob qui dit, Seigneur, je ne te lâche pas. Je n'arrête pas de prier. Je n'arrête pas de prier pour ce sujet tant que je ne vois pas la solution. Tant que je ne reçois pas l'exaucement, je ne change pas de sujet. Tant que je ne vois pas ta main, je ne change pas de sujet. Je reste là parce que tu es un Dieu miséricordieux et tu es bon. Bien-aimé, accroche-toi au Seigneur. Prie, j'encourage quelqu'un à prier. Alléluia. Arrêtez de blâmer les gens. La chose qui empêche aussi les gens de pouvoir grandir dans la foi, c'est qu'on passe le temps à blâmer les gens. C'est toujours la faute des autres, c'est jamais toi. C'est la faute des autres. Non, mais je ne prie pas bien parce que allez, dans notre église, il n'y a pas trop des programmes de prière. Si on était un peu comme la tour de prière se meurt, ce n'est pas vrai. C'est toi-même. Si on était comme la tour de prière se meurt, ça serait bien. Mais dans mon église, il n'y a pas trop de programmes de prière. Donc, je ne peux pas prier. Bon, celui qui a la tour de prière se meurt aussi dit, non, je ne prie pas trop parce que je n'ai plus la capacité. Il y a trop de programmes de prière. Je n'arrive pas à suivre. Donc, à chaque fois, arrêtez de chercher la faute chez les autres, je vous assure. Arrêtez de regarder que c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'eux, c'est à cause de ceci. Il y a toujours un truc. Non, mais parce que le pasteur m'avait mal parlé, donc maintenant je suis découragée, je n'arrive pas à prier. Bien-aimé, ta vie ne dépend que de toi. Et d'ailleurs, le salut est personnel. Dans le salut, contient. Le salut, dans le salut, on a la rédemption, donc tu as la vie éternelle. Il y a la guérison, alléluia, il y a la guérison. Il y a la prospérité, il y a la faveur, il y a toutes ces choses. Et le salut est personnel. Le salut est personnel. La guérison viendra que de toi. Personnel, par ta décision de dire, Seigneur, je refuse cette maladie. Bien-aimé, je viens secouer quelqu'un. Refuse cette maladie. Refuse cette maladie. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour être malade. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour subir les oppressions des maladies. Refuse cette maladie, c'est le diable. Refuse cette situation, c'est le diable. Refuse d'être toujours dans des échecs, tout le temps, c'est le diable. Même quand tu vois que tu tombes, tu te relèves, tu continues à servir. Tu tombes, tu te relèves, tu continues à prier. Car Dieu a dit, mon juste tombera sept fois. Sept fois, je vais le relever. C'est-à-dire, il n'y aura pas une huitième fois. Il n'y aura pas une huitième fois. Si ça a raté ici, si ça a raté demain, ça finira par marcher, ça finira par fonctionner si tu ne baisses pas les bras. Ne baisse pas les bras dans la prière. Dis à ton frère, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Pourquoi tu es en train de baisser les bras? Pourquoi la démotivation? Pourquoi la fatigue? Pourquoi la paresse? Pourquoi pour prier, il faut toujours chercher une... On commence à chercher une raison pour ne pas prier. Pour ne pas prier, on cherche une raison. Non, c'est l'enfant. Non, c'est mon mari. Non, c'est mon travail. Non, c'est ceci. Non, c'est cela. Ah, je ne peux pas. Bien aimé, ce n'est pas vrai. Vous pouvez. Tout dépend de vous. Si Jésus pouvait donner une raison pour dire non, mais je suis bien en tant qu'enfant de Dieu, je m'en règne, je suis sur mon trône, je ne descends pas mourir pour les gens. Si le Seigneur avait donné une raison, il ne serait pas descendu sur la terre pour mourir pour toi. S'il avait donné une raison, il ne serait pas parti à la croix. Mais à chaque fois, il se jetait à l'eau. À chaque fois, tant pis, même si on se moque de lui, ce n'est pas grave, mais il est parti jusqu'à la croix pour que toi, tu puisses avoir la vie. Mais pourquoi toi, tu ne vas pas jusqu'au bout? Pourquoi tu te fatigues? Pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu te démoralises? Pourquoi les choses de la vie te démoralisent comme ça? Pourquoi? Même si Satan t'oppresse, j'aimerais te dire, Dieu lui a imposé une limite. Il ne va jamais déborder la limite que Dieu lui a imposée. Il y a une limite que Dieu impose toujours. À Job, Dieu a dit à Satan, touche à ses biens, touche à son corps, mais ne touche pas à son âme. Dieu a imposé une limite. Comme Moïse est mort, Dieu a imposé une limite. On n'est pas venu, Satan voulait prendre le corps de Moïse. Satan n'a pas pu prendre son corps. Moïse est mort, mais Dieu a récupéré le corps. On ne sait pas où on a enterré Moïse. C'est Dieu lui-même qui a enterré Moïse. Il y a toujours une limite. Lazare est mort, mais Dieu avait imposé une limite à la mort. Bon, on l'a mis dans la tombe, ok, mais il va ressusciter. Il impose une limite. Et là où tu es, parce que tu es enfant de Dieu, Dieu a imposé une limite à tes ennemis. Il y a une limite qu'ils ne vont pas toucher. Il y a une limite qu'ils ne vont pas franchir. Il y a une limite qu'ils ne vont pas franchir. Je dis à quelqu'un, il y a une limite que Dieu a imposée à tes ennemis, que Dieu a imposée aux sorciers. Ils ne vont jamais dépasser cette limite. Mais toi, reste dans la prière. Alléluia. Toi, reste dans la prière. Mes amis, il y a prier et prier. Reste dans la prière. Là, nous sommes déjà au 29e jour, puisqu'il est à minuit, 29e jour.
Là, tu pries, tu sens que le corps est en train de se faire. Le corps ne tient plus trop, mais tu es toujours en train de prier. Il y a des pasteurs qui ont fait des prières, des jeûnes et prières, ou même des prières de sacrifice. Il y a un homme de Dieu qui nous racontait, à l'époque, j'étais très jeune, il disait quand ils priaient, ils étaient à genoux pendant au moins 5 heures. Toujours à genoux. À genoux. Les genoux font mal, mais ils étaient toujours devant Dieu. Toujours devant Dieu. Mais quand Dieu avait décidé de les élever, waouh, c'était glorieux. Parce qu'ils se sont sacrifiés dans la prière. Les genoux étaient fatigués. Le dos était fatigué. D'autres avaient faim. Des fois, il y a des gens qui ont fait des jeûnes à sec. Au point où le cinquième jour, les pantalons commencent à tomber. Les gens commencent à perdre même l'équilibre. Mais ils sont toujours dans la prière. Bien-aimés, la prière paye. Écris avec moi, la prière paye. La prière paye. Alléluia. La prière paye. On a quitté, on a fait le matin, on a fait le midi. On a quitté le culte s'est rallongé un tout petit peu. Là, on est maintenant ici. La prière paye, je vous assure. La prière va produire un miracle dans ta vie, des miracles même. La prière va t'ouvrir le ciel. La prière peut changer ta vie du jour au lendemain. La prière peut changer ta destinée. Alléluia. Nous allons lire un verset et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Voilà. Gloire à Dieu, nous allons aller dans Ésaïe 52. À partir du verset 2, à partir du verset 2 à 3. Ésaïe 52, à partir du verset 2 à 3. La Bible dit, secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant Jérusalem, détache les liens de ton cou, détache les liens de ton cou, hein, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion, détache les liens de ton cou. Le verset 3, car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement, écoutez ça, c'est gratuitement que vous avez été vendu. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté. C'est gratuitement que vous avez été vendu et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté. Bien-aimés, il y a des personnes, leur vie a été vendue. Ici, c'est Dieu qui parle au travers du prophète Ésaïe qui dit, c'est gratuitement que vous avez été vendu. Il y a des vies qui sont vendues. Il y a des mariages qui ont été vendus. Il y a des santé. Hein? La santé a été vendue. Il y a des destinées qui ont été vendues. Bien aimé. Mais quand tu viens en Christ, le Seigneur te délivre. Même si on t'avait vendu dans ta famille. Même si on avait vendu tous les membres de ta famille. Mais toi, parce que tu es en Christ, Dieu te sort de cette liste. Dieu te sort de la liste de ceux qui sont vendus. Alléluia. Tu n'es plus une marchandise, tu n'es pas une marchandise. Ta vie n'est pas à vendre parce que Dieu dit, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendu et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté. Bien-aimé, tu dois avoir cette conscience que tu as été racheté. Tu avais été vendu par les réclamations de famille. Tu avais été vendu par la sorcellerie. Tu as été vendu par beaucoup de choses, par tant de choses. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est mort pour toi à la croix et il t'a racheté. Alléluia. Jésus-Christ t'a racheté. Dis avec moi, j'ai été racheté. Oui, car le Seigneur dit ceci, car Dieu dit ceci, c'est gratuitement que vous avez été vendu et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté. Ce n'est pas à prix d'argent que tu vas récupérer ton mariage. Ce n'est pas à prix d'argent que tu récupères ta santé. Ce n'est pas à prix d'argent que tu récupères ta destinée. Ce n'est pas à prix d'argent parce que Dieu t'a racheté. Ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté. Effectivement, Jésus-Christ est mort pour toi à la croix. Tu n'as pas payé d'argent. Il a fait gratuitement. Le sang de Christ a coulé gratuitement. Alléluia. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, ta famille ne peut plus réclamer ta vie. Ta famille ne peut plus acheter ta santé. Parce que Jésus t'a déjà racheté. Voyez le mot racheté. Dans racheté, on a le mot rachat. Et dans le mot rachat, on a le mot achat. J'avais été acheté et Jésus-Christ est venu me racheter. Ça veut dire que je n'appartiens plus à ceux qui m'avaient acheté autrement. Maintenant, j'appartiens à celui qui m'a racheté. Racheté, c'est-à-dire on m'a acheté une deuxième fois.
racheter, le rachat, la rédemption. Jésus-Christ est venu te racheter. Là où on avait condamné ta vie, là où on avait condamné ta santé, là où on avait condamné ton mariage, là où on avait condamné tes enfants, là où on avait condamné ta maison, Jésus t'a racheté. C'est pour cela que tu dois te révolter et commencer à dire, mon mariage a été racheté. Ma santé a déjà été rachetée par Jésus. Au nom de Jésus, ma vie a déjà été rachetée. Ma destinée a déjà été rachetée. Alors plus personne ne peut encore m'acheter. Bien-aimé, dans le monde spirituel, ça a de l'écho, ça a de la force. Dans le monde spirituel, quand tu es en train de déclarer des décrets pareils, ça a de la force, on ne peut pas te toucher parce qu'on sait que tu connais ton droit. Quand tu connais tes droits, on ne peut pas jouer avec toi. Même si la police vient chez toi aujourd'hui, mais si tu connais le droit, tu commences à leur dire non, 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 vous ne pouvez pas m'arrêter sans mandat. Sans mandat, vous ne pouvez pas rentrer chez moi sans mandat de perquisition. Ils vont savoir, ah, elle connaît, ils ne vont pas rentrer. Mais si tu ne connais pas, les policiers vont rentrer, ils vont faire n'importe quoi avec ta maison parce que tu ne connais pas la loi. Mais la personne qui connaît la loi déjà se fait respecter par les gens de la loi. La personne qui, si tu connais la loi, tu te feras respecter par les professionnels de la loi parce qu'ils savent que tu connais la loi. Et s'ils essaient de rentrer, c'est eux qui seront maintenant en tort. Et tu pourras porter plainte contre eux parce qu'ils n'ont pas eu de mandat de perquisition. Pourquoi ils vont rentrer chez toi? C'est la même chose. Quand on veut venir chez toi de force, quand le diable veut encore venir te mettre sous l'esclavage, alors que Jésus t'a déjà racheté, il a déjà racheté ton mariage, il a déjà racheté ta santé, il a déjà racheté ta vie. Quand le diable veut te mettre encore sous le joug de l'ennemi, tu dois refuser cela. Alléluia. Oh, dis avec moi, j'ai été racheté par Jésus. J'ai été racheté. Ma vie a déjà été rachetée. Alléluia. Ma santé a déjà été rachetée. Ma destinée a déjà été rachetée. Il n'y a plus de condamnation. C'est pour cela qu'on dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que tu as déjà été racheté. Alléluia. Mes grossesses ont déjà été rachetées. Mon mariage a déjà été racheté. Alors, on ne peut plus me vendre. On ne peut plus me vendre. Je lis avec vous le Ésaïe 50 au verset 1. Ésaïe 50 au verset 1 qui dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers, écoutez, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendu. Que vous avez été vendu et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Bien-aimé, dans le monde spirituel, la vente existe. La vente des destinées, la vente des arbres, la vente des étoiles, ça existe. On vente en étoiles, on vente, ça existe. C'est pour cela, bien-aimé, vous devez être dans la sanctification. Ça existe. Dieu est en train de parler de sa bouche au travers du prophète Ésaïe. Auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Bon, toi, pourquoi on a vendu ton mariage? Parce que Dieu dit, moi, je ne t'ai pas vendu. Auquel de mes créanciers ai-je vendu ta vie? Où est-ce que j'ai vendu ton mariage? Où est-ce que j'ai vendu ton travail? Pourquoi tu ne travailles pas? Où est-ce que moi, j'ai vendu? Bien-aimé, comment ça te révolter? Dieu t'a déjà racheté. Le rachat a déjà été fait. On t'a déjà acheté une deuxième fois. Si tu étais esclave hier, mais aujourd'hui, tu n'es plus esclave de tes bourreaux, tu n'es plus esclave des oppresseurs, maintenant tu es esclave de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant tu es esclave de Christ. Écris avec moi, ma vie n'est pas à vendre. Ma vie n'est pas à vendre. Au nom puissant de Jésus, ma vie n'est pas à vendre. Mes enfants ne sont pas à vendre. Ma famille n'est pas à vendre. Oh, ma maison n'est pas à vendre. Dans le nom puissant de Jésus, je ne suis pas à vendre. Alléluia. Je ne suis pas à vendre. Je ne suis pas à vendre au nom de Jésus. Bien-aimé, le monde des ténèbres a tout un commerce bien organisé où ils vendent les choses, ils vendent des étoiles, ils vendent même des organes. Ça se vend. Dans le monde des ténèbres, ça se vend. On peut prendre le rein de quelqu'un et ton rein maintenant commence à être malade ici. Mais en réalité, ton véritable rein a déjà été vendu. Bien-aimé, tout ce que l'ennemi a vendu qui t'appartient, je déclare que tu récupères cela cette nuit au nom de Jésus. Tout ce qui a été vendu, je déclare que le vent du Saint-Esprit souffle et récupère cela dans le nom de Jésus. Le vent du Saint-Esprit souffle et récupère cela dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ça, venez brancher ici. Au nom puissant de Jésus. Le vent du Saint-Esprit récupère cela. Le vent du Saint-Esprit récupère cela. Tout ce qui t'appartient et qui a été vendu dans le monde des ténèbres, tu récupères cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu récupères cela
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un récupère sa vie. Tout dépend que de toi. Tout dépend que de toi. Alléluia. Tout dépend que de toi. Oui, tout ne dépend que de toi. Si tu décides que c'est terminé, c'est terminé. Si tu dis à Satan, stop, il va stopper. Alléluia. Parce que tu n'es pas un dominé, mais tu es un dominant. C'est toi qui dois dominer, mais tu ne peux pas être dominé. Tu ne peux pas être dominé. C'est toi qui dois dominer, mais toi, tu ne peux pas être dominé. Alléluia. C'est toi qui es le dominant et non le dominé. C'est toi qui es le chasseur et non le chassé. C'est toi qui es le chasseur. C'est toi qui es au-dessus et non en dessous. Dans le monde, il y a ceux qui sont au-dessus, il y a ceux qui sont en dessous. Mais toi, tu dois toujours être au-dessus. Pourquoi? Parce que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Il faut refuser la fatalité que le diable est en train de t'imposer. Dieu a mis dans ta bouche la capacité de prier et de changer ta vie. La prière peut changer ta vie. Tu peux donner une nouvelle orientation à ta vie au travers de la prière. Je viens lever la foi de quelqu'un. Je viens réveiller la foi de quelqu'un. Ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. Ne cherche pas des causes à ton malheur. Ne cherche pas des personnes. Non, c'est à cause de lui. C'est à cause d'elle. C'est à cause de cette église. Non, 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 non. Ça ne dépend que de toi. La prière, elle est personnelle. Alléluia. La prière, elle est personnelle. La prière, elle est personnelle. La relation avec Dieu est personnelle. Non pas à cause des gens, mais à cause de ta foi. Tu dois avoir la foi. Parce que tu as la foi. La foi est la monnaie d'échange dans le royaume. Vous savez, de la même manière que sur la terre, nous avons l'euro. Ici, enfin, en Europe, on a l'euro. Si tu as des euros, tu peux t'acheter des choses. L'euro, c'est la monnaie d'échange. Aux États-Unis, tu as le dollar. Eh bien, dans le règne de l'esprit, dans le royaume de Dieu, c'est la foi qui est la monnaie d'échange. Avec la foi, tu peux tout acheter. Tu achètes tout avec la foi. Écris avec moi. La foi achète tout. La foi achète tout. Dis avec moi, la foi achète tout. Avec la foi, tu peux acheter ta santé. Avec la foi, tu peux acheter de l'argent. Avec la foi, tu peux acheter beaucoup de choses. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. La foi est la monnaie d'échange dans le royaume de Dieu. Si tu veux acheter les choses que tu veux voir, alors tu dois avoir la foi. C'est pour cela, ne laisse pas la foi s'éteindre. Ne laisse pas ta foi tomber. Ne laisse pas ta foi s'éteindre. Ne laisse pas ta foi fléchir. Ne laisse pas ta foi se courber. Ne laisse pas ta foi se faner. Non, ne laisse pas ta foi tomber. Mais plutôt, tu dois avoir une foi qui est stable. Une foi qui croit que Dieu peut tout faire. Avec la foi, tu peux acheter. Avec la foi c'est la monnaie d'échange dans le royaume. La foi c'est la monnaie d'échange. Celui qui a la foi va voir la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que Hébreux est en train de dire que or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Mais si tu as la foi, tu vas tout acheter. Dans le règne de l'esprit, tu vas tout acheter. Tu vas acheter la santé, tu vas acheter ton étoile, tu vas acheter ta destinée. Pourquoi? Parce que quand tu le déclares, tu le crois fermement. Il ne suffit pas de faire des déclarations. Je reçois mon étoile. Je reçois mon étoile. Il faut croire que ton étoile est déjà revenue par la foi. Or, qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour que tu rentres dans le Rehoboth, tu dois avoir la foi. Alléluia. Pour que tu rentres dans le Rehoboth, tu dois avoir la foi. Crois que par la foi, le Seigneur te fait rentrer dans ton Rehoboth. Au nom de Jésus. C'est pour cela que je déclare que tu rentres dans ton Rehoboth au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu rentres dans ton Rehoboth au nom de Jésus. Je déclare que tu rentres dans ton Rehoboth au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Acclame le Seigneur. Quelqu'un est en train d'acclamer le Seigneur? Quelqu'un est en train d'acclamer le Seigneur? Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas chasser parce que tu es le dominant. Tu vas chasser maintenant. Tu vas dire au nom puissant de Jésus. Toute emprise de l'ennemi sur ma vie, je te chasse au nom puissant de Jésus. Toute emprise de l'ennemi, toute emprise satanique, toute emprise de la sorcellerie sur ma vie, sur tous les domaines de ma vie,
Je te chasse, je vous chasse maintenant au nom de Jésus. Je vous détruis par le feu au nom de Jésus. Je vous anéantis par le feu. Commence à détruire, commence à anéantir toute emprise de la sorcellerie sur ta vie au nom de Jésus. Toute emprise de l'ennemi, toute emprise que l'ennemi a fait sur toi. Bien-aimé, toute emprise que le diable a fait sur ta vie, commence à dire que tu le chasses par le feu, tu le détruis au nom puissant de Jésus. Toute emprise satanique sur ma vie, je te détruis ou encore je vous détruis maintenant dans le nom de Jésus. Toute emprise des ténèbres sur ma destinée, soyez détruits, soyez brûlés par le feu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Commence à prier dans le nom puissant de Jésus. Détruis toute emprise de l'ennemi sur ta vie dans le nom de Jésus. Car le Seigneur a dit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire, rien du tout, rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, détruit dans le nom de Jésus. Je viens détruire en cette nuit toute emprise satanique sur ma vie au nom puissant de Jésus. Je détruis, je calcine au nom puissant de Jésus toute emprise des ténèbres sur ma vie, sur ma maison, sur les domaines de ma vie, au nom puissant de Jésus. Je viens les calciner par le feu. Je viens les détruire par le feu. Je viens les anéantir par le feu. J'anéantis au nom de Jésus toute emprise de l'ennemi, toute emprise de la sorcellerie sur ma vie, au nom de Jésus. Toute emprise des ténèbres dans ma maison, toute emprise des ténèbres dans la vie de mes enfants, toute emprise satanique sur ma vie, je vous détruis par le feu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vous détruis par le feu, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je vous détruis par le feu, je vous anéantis maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, détruis cela, au nom de Jésus, détruis cela, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, détruis cela au nom de Jésus. Anéantis toute emprise de l'ennemi sur ta vie, sur ta santé, sur tes affaires, sur tes projets. S'il y a l'emprise du diable dedans, commence à détruire cela au nom puissant de Jésus. Anéantis cela, que cela soit détruit cette nuit, que cela soit brisé cette nuit, que cela soit anéanti au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un en train de prier, quelqu'un en train de prier, quelqu'un en train de prier au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que l'emprise du diable sur ta vie, sur tes pensées, sur ta maison, soit détruite par le feu, taillée en pièces, au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé, tu vas te soumettre encore au Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, je me soumets totalement à toi. Guide mes pas à partir de ce soir. Que tu guides tous les pas que je vais faire au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse guider tous les pas. Que le Saint-Esprit guide tes pas. Que le Saint-Esprit guide tous les pas que tu vas faire à partir de maintenant. Dis au Saint-Esprit, je me soumets encore totalement à toi. Saint-Esprit, en cette nuit, alors que je suis dans ta présence, je me soumets encore totalement à toi. Guide tous mes pas maintenant. Guide mes pensées, guide toutes mes pensées. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, guide tous mes pas. Guide tous mes pas. Prends le contrôle de mes pas. Prends le contrôle de la direction de mes pieds. Prends le contrôle de la direction de mes pensées. Prends le contrôle de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tous tes pas, qu'il soit le guide de ta vie. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit te guide, alors le diable ne peut plus t'attraper. Quand le Saint-Esprit te guide, le diable ne peut plus t'attraper. Dans le nom de Jésus, quelqu'un en train de prier, quelqu'un en train de prier, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, déclare, déclare, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, alléluia, au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, guide mes pas, Saint-Esprit, je te soumets ma vie, je te soumets ma vie, je te soumets ma vie, prends le contrôle total. Oh, je me soumets à toi totalement, mes pensées, mes paroles, mes actions, mes décisions, que tout soit contrôlé par toi et guide tous mes pas maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit guide tous tes pas, il ne permettra pas que tu fasses alliance avec une mauvaise personne. Il ne permettra pas que quelqu'un de mauvais, un sorcier, un méchant, un futur trahisse, une future personne qui va te trahir, ne puisse faire alliance avec toi. Non, il ne va pas le permettre. Alléluia.
Il va éviter les futures trahisons. Il va éviter les futures divisions. Il va éviter les futurs problèmes. Il ne voudra pas que tu puisses collaborer avec ces gens. Il ne voudra pas parce que c'est lui qui guide tes pas. Que le Saint-Esprit guide tes pas au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur et tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas dire au sang de Jésus, purifie-moi encore ce soir. Purifie-moi encore cette nuit et délivre-moi de toute chose que j'ai fait ou que mes parents ont fait et qui a ouvert à Satan le droit de nous toucher. Oh, délivre-nous, bien-aimé, ta vie n'est pas à vendre. Dis au sang de Jésus de te laver, de te purifier et dis aussi au sang de Jésus, délivre-nous. Sang de Jésus, délivre-moi. Sang de Jésus, purifie-moi de toute chose, de tout mal que j'ai fait. Alléluia. De toute chose que j'ai fait ou que mes parents ont fait et qui ont ouvert la porte à Satan. Dans le nom de Jésus, je répète encore. Sang de Jésus, délivre-moi. Sang de Jésus, purifie-moi de toute mauvaise chose que j'ai faite. Alléluia. Et qui a permis au diable d'ouvrir, et qui a permis au diable plutôt de rentrer, de nous toucher, qui a ouvert la porte à l'ennemi dans notre vie au nom de Jésus. Sang de Jésus, purifie-moi. Sang de Jésus, délivre-moi de toute chose que j'ai faite ou que mes parents ont fait et qui a ouvert la porte à l'ennemi de nous toucher et qui a ouvert la porte à l'ennemi de nous toucher dans notre santé, qui a permis à l'ennemi de venir nous assujettir, qui a permis à l'ennemi de nous oppresser. Seigneur, que tu nous délivres, que ton sang nous délivre de ces choses, que ton sang nous purifie de ces choses, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie parce que tu as posé un acte toi-même dans le passé. Il y a des choses qui peuvent arriver parce que les parents ont posé un acte. Il y a des choses qui peuvent arriver parce que quelqu'un autour de toi, tu as fait alliance avec une mauvaise personne. Que le sang de Jésus te délivre et te purifie de toute mauvaise chose, de tout mauvais acte que tu as commis et qui a ouvert la porte à l'ennemi dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un est en train de prier au nom puissant de Jésus. Quelqu'un est en train de prier dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au sang de Jésus, délivre-nous, purifie-nous de tout mal qui a permis à Satan d'attaquer ma vie, de tout mal qui a permis à Satan d'attaquer ma famille, dans le nom de Jésus. Sang de Jésus, sang de Jésus, bien-aimé, plaide le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus, que le sang de Jésus te purifie de tout mal qui a permis à Satan d'attaquer ta vie. Que le sang de Jésus te purifie de tout mal qui a permis à ta famille d'attaquer ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus te purifie de tout mal qui a permis à l'ennemi de toucher à ta maison. Bien-aimé, que le sang de Jésus te purifie de tout mal qui a permis à l'ennemi, qui a permis à la sorcellerie de toucher à un domaine de ta vie. Dans le nom de Jésus. Là où tu avais ouvert des portes, là où tu avais fait des choses et finalement il y a eu des retours contre toi, commence à demander que le sang de Jésus te purifie de ces choses. Purifie-moi de tout mal qui a donné à l'ennemi le droit de me toucher. Sang de Jésus, purifie-moi de tout mal qui a donné à l'ennemi le droit de nous attaquer, d'attaquer ma famille. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Oui, demande au sang de Jésus de te purifier de tout mal qui a permis à Satan de toucher ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus te purifie de toute mauvaise chose que tu as faite et qui a ouvert la porte à l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Au prix, bien-aimé, demande le sang de Jésus. Peut-être que tu avais fait quelque chose, d'autres ont consulté des marabouts, d'autres avaient pris des choses chez les féticheurs, d'autres avaient fait des rituels, d'autres avaient fait des alliances et ces choses peuvent te poursuivre aujourd'hui. Demande au sang de Jésus de te purifier de tout ce mal qui a permis à Satan de rentrer, de te purifier et de te délivrer de tout le mal que tu as fait et qui a permis à l'ennemi de toucher ta vie au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur. Et tu vas appeler le feu du Saint-Esprit. Tu vas dire en cette nuit, ô feu du Saint-Esprit, purifie-moi encore. De la tête à la plante de mes pieds. Feu du Saint-Esprit,
purifie-moi. Et que tout ce qui ne confesse pas Jésus dans ma vie soit brûlé au nom de Jésus. Tout ce qui ne confesse pas Jésus dans ma destinée, que cela soit calciné, que cela soit détruit, que cela soit anéanti, dans le nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit brûle encore dans ma vie, de la tête à la plante de mes pieds. Feu du Saint-Esprit brûle encore dans ma vie, de la tête à la plante de mes pieds. Et que tout ce qui ne glorifie pas Jésus, tout ce qui ne glorifie pas Jésus dans ma vie, tout ce qui ne glorifie pas Jésus dans mon cœur, tout ce qui ne glorifie pas Jésus dans mon âme, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que Dieu n'a pas planté dans ma vie, tout ce que le Père n'a pas planté dans ma maison, tout ce que le Père n'a pas planté dans ma famille, que cela soit déraciné, que cela soit brûlé, que cela soit calciné, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un en train de prier, quelqu'un en train de prier au nom puissant de Jésus, que cela soit calciné au nom puissant de Jésus, que cela soit anéanti. Que cela soit anéanti dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que cela soit calciné au nom puissant de Jésus. 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 Que cela soit anéanti dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est ta gloire. Et la Bible déclare que c'est lui qui relève ta tête. C'est toi qui relèves ma tête. Tu vas dire à ton Dieu cette nuit: « Oh mon Père, sois ma gloire et relève ma tête au nom de Jésus. » Oh mon Père, sois ma gloire et relève ma tête. Relève ma tête là où je suis courbée. Relève ma tête là où je suis tombée. Relève ma tête là où je n'ai plus de force. Relève ma tête. Oh mon Père, sois ma gloire et relève ma tête. Il est ta gloire, alléluia. Il est ta gloire et c'est lui qui va relever ta tête. C'est lui qui va relever ta tête là où l'ennemi avait attaqué ta vie. C'est lui qui va relever ta tête. C'est lui qui va relever ta tête. Dis à ton Père: oh mon Père, sois ma gloire et relève ma tête. Relève ma tête au nom puissant de Jésus. Relève ma tête, relève ma tête, relève ma tête au nom de Jésus. Dans le psaume 3 au verset 3, il est écrit ceci: « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Oh, mais toi, ô Éternel, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Dans le psaume 3:3, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Commence à prier: oh mon Père, oh mon Père, sois ma gloire en cette nuit. Sois ma gloire à partir de maintenant. Et relève ma tête au nom de Jésus. Relève ma tête là où la honte était sur moi. Relève ma tête là où les échecs étaient sur moi. Relève ma tête là où, Seigneur, oh Dieu, la peur était sur moi. Relève ma tête là où l'ennemi m'avait courbé. Relève ma tête, oh, qu'il puisse relever ta tête. Il relève ta tête. Quand l'Éternel relève la tête d'une personne, il lui donne la joie. Quand l'Éternel relève la tête de quelqu'un, il lui donne un témoignage. Quand l'Éternel relève, David a dit: « Et c'est toi qui relèves ma tête. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Que l'Éternel relève ta tête cette nuit au nom de Jésus. Que l'Éternel relève ta tête là où le diable voulait que tu puisses marcher tête courbée. Là où la sorcellerie voulait que tu sois tête courbée. Là où l'ennemi voulait que tu puisses être tête courbée parce que tu as honte. Que l'Éternel relève ta tête parce que ta vie n'est pas à vendre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Là où l'ennemi voulait que tu puisses avoir la tête courbée, j'aimerais te dire que tu vas marcher tête relevée. Tu vas marcher tête relevée. Tu vas marcher tête relevée. Au nom puissant de Jésus. C'est lui qui relève ta tête. C'est lui qui relève ta tête. L'Éternel relève ta tête cette nuit. L'Éternel relève ta tête cette nuit. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel relève ta tête parce que ta vie n'est pas à vendre. Que l'Éternel relève ta destinée parce que ta vie n'est pas à vendre. Que l'Éternel relève ton étoile parce que ta vie n'est pas à vendre. Bien-aimé, là où tu te trouves, prie le Seigneur. Dis: oh Seigneur, relève ma tête. Sois ma gloire et relève ma tête. Dans le nom de Jésus. Mon Père, sois ma gloire et relève ma tête. Sois ma gloire et relève ma tête. Au nom puissant de Jésus, je déclare que je ne marche plus tête courbée. Je déclare que je ne marche plus dans les larmes. Je déclare que je ne marche plus dans la tristesse. Relève ma tête. Relève ma tête. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas dire: oh Seigneur, que ta main
Bien-aimé, tu vas faire des prières compliquées. Des prières sans pitié. Il ne faut pas avoir pitié. Il ne faut pas avoir pitié. Le diable n'a pas pitié de toi. Les sorciers n'ont pas pitié de toi. Même si tu lui donnes à manger maintenant. Tu lui donnes à manger, tu donnes l'argent. Tu fais ce que tu veux. Mais la nuit, il revient, il vient t'étrangler. La nuit, il vient, il va vouloir te faire du mal. Bien-aimé, les sorciers n'ont pas de pitié. Alors tu vas dire avec moi, « Oh Seigneur, que ta main droite, que ta main droite attrape tous mes ennemis. Que ta main droite attrape tous mes ennemis, un par un. » Alléluia. « Oh Seigneur, que ta main droite attrape tous mes ennemis, un par un. » Un par un, qu'il soit attrapé et détruit au nom de Jésus. Que la main droite de l'Éternel, la Bible dit, la droite de l'Éternel est puissante. Que la main droite du Seigneur attrape tes ennemis un par un. Sans en oublier un par un, et qu'il soit anéanti, qu'il soit brisé, qu'il soit détruit au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qu'il parte dans le feu de l'Éternel. Qu'il passe dans le feu de l'Éternel, dans le feu du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et que leurs œuvres soient brisées, que leurs œuvres soient calcinées. Oh Seigneur, que ta main droite attrape mes ennemis un à un. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que ta main droite attrape tous mes ennemis un à un au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, que ta main droite attrape tous mes ennemis un à un au nom puissant de Jésus, et qu'il soit calciné, qu'il soit détruit et taillé en pièces, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Que tes adversaires, que les sorciers qui te poursuivent dans la nuit, que les sorciers qui te poursuivent quand tu dors, soient attrapés par la main du Seigneur, soient attrapés par la main du Seigneur. Que le Seigneur les attrape un à un. Que le Seigneur les attrape un à un au nom puissant de Jésus. Et qu'ils soient taillés en pièces. Qu'ils soient arrêtés dans leur élan. Qu'ils soient brisés. Qu'ils soient arrêtés. Qu'ils soient attachés. Qu'ils soient anéantis par la puissance du souffle de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un en train de prier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, que ta main attrape tous mes adversaires, tous mes ennemis, un à un, qu'ils soient attrapés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ta droite, Seigneur, les attrape. Qu'il n'y en a pas un qui échappe. Au nom puissant de Jésus. Et qu'ils soient détruits, qu'ils soient calcinés, qu'ils brûlent dans le feu de la colère de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Ici, on ne parle pas du feu de l'enfer. On parle du feu de la colère de Dieu. Le feu de la vengeance de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils brûlent dans le feu de la vengeance de Dieu. Que tous les sorciers qui combattent ta vie brûlent dans le feu de la vengeance de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient calcinés un à un. Qu'ils soient brûlés. Qu'ils soient réduits en cendres. Qu'ils soient calcinés au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un en train de prier. Au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, que ta main attrape. Que ta main attrape. Que ta main attrape tous mes ennemis. Que ta main attrape tous tes ennemis, tous ceux qui se dressent contre ta parole, contre ma vie. Seigneur, qu'ils soient attrapés un à un. Que ta main puissante les attrape un à un. Et qu'ils soient cramés, qu'ils brûlent dans le feu de la vengeance de Dieu. Dans le nom de Jésus. Qu'ils crament dans le feu de la vengeance de Dieu. Que les sorciers du village qui combattent ma vie soient cramés dans le feu de ta vengeance. Au nom puissant de Jésus. Que les sorciers qui combattent mon mariage, qui combattent mes grossesses, soient cramés, soient calcinés dans le feu de ta vengeance. Au nom puissant de Jésus. Dans le feu de ta vengeance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que la main du Seigneur attrape tes adversaires un à un. Bien-aimé, prie. Que la main du Seigneur, la droite puissante du Seigneur, que ta droite puissante les attrape un à un. Que ta droite puissante les attrape un à un et le mette dans le feu de ta vengeance. Au nom de Jésus, dans le feu de ta vengeance. Tout ce bien-aimé, le sorcier n'a pas pitié de toi. Le méchant n'a pas pitié de toi. Les pouvoirs des ténèbres n'ont pas pitié de toi. Ils veulent te voir sombrer. Toi aussi, ne prie pas avec pitié. Commence à envoyer le feu. Car l'apôtre Paul a dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits méchants, les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est eux que nous combattons. Tu envoies le feu au nom de Jésus. Tu envoies le feu au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Quelqu'un en train de prier, il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir pitié. Il faut prier avec foi.
tout esprit qui est en train de tourner la tête de ton enfant, commence à les cramer dans le feu du Saint-Esprit. Qu'il soit réduit, qu'il soit cramé, qu'il soit brûlé dans le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier, tu vas dire, « Oh mon Père, lève-toi. Lève-toi et engloutis mes ennemis. Engloutis les ennemis de ma destinée dans ta colère. » Alléluia. Engloutis-les dans ta colère et que ton feu les dévore au nom de Jésus. Engloutis mes ennemis dans ta colère et que ton feu les dévore. Je répète encore, « Oh mon Père, lève-toi. Lève-toi, engloutis mes ennemis. » Engloutis les ennemis de ma destinée. Engloutis ceux qui combattent ma destinée. Engloutis ceux qui combattent mon étoile. Engloutis ceux qui combattent mon mariage. Engloutis le Seigneur et que ton feu les dévore au nom de Jésus. Que ton feu les dévore. Bien-aimé, commence à prier. Que le feu de Dieu dévore tous ceux qui combattent ta vie au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu dévore tous les maris de nuit qui combattent ton sommeil au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu dévore tout esprit des ténèbres qui veut avaler ton travail au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu dévore tout esprit des ténèbres qui veut avaler tes enfants dans le nom de Jésus. Que le feu de Dieu dévore tout esprit des ténèbres qui veut avaler ta vie au nom de Jésus. Qu'il soit détruit, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit, qu'il soit anéanti au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu dévore tout esprit des ténèbres qui cherche à avaler ta famille au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu dévore tout esprit des ténèbres, tout pouvoir des eaux qui veut avaler ton étoile au nom puissant de Jésus. Tout ennemi, qu'il soit englouti au nom de Jésus. Oh mon Père, lève-toi et engloutis mes ennemis. Engloutis mes ennemis dans ta colère et que ton feu les dévore au nom de Jésus. Que ton feu dévore tous ceux qui combattent ma santé. Mon Père, lève-toi alors que je me tiens au milieu de la nuit et que je lève la voix. Que ton feu dévore maintenant tous ceux qui combattent ma vie, tous ceux qui se sont moqués de moi, tous ceux qui se moquent du fait que je prie, tous ceux qui me combattent pendant la nuit, tous ceux qui me combattent physiquement ou spirituellement, tous ceux qui me combattent physiquement ou spirituellement, que ton feu les dévore au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient dévorés, qu'ils soient dévorés, qu'ils soient dévorés. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un est en train de prier au nom puissant de Jésus. Oh, tous ceux qui cherchent à attacher ta vie, tous ceux qui cherchent à attacher ta santé, tous ceux qui cherchent à attacher, bien aimé, la vie de tes enfants, qu'ils soient calcinés, qu'ils soient dévorés dans le feu de Dieu, au nom de Jésus. Qu'ils soient dévorés par le feu de Dieu, qu'ils soient dévorés. Ne prie pas avec pitié, ne prie pas avec pitié. Qu'ils soient dévorés parce que ta vie n'est pas à vendre. Ne prie pas avec pitié. Tous ceux qui ont décidé de faire de toi un esclave, commence à dire que le feu de Dieu les dévore. Que le feu de Dieu les dévore au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu les dévore maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu les dévore au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu les dévore. Que le feu de Dieu les dévore au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas dire avec moi. Au nom puissant de Jésus. Vent du Saint-Esprit, souffle cette nuit. Vent du Saint-Esprit, souffle cette nuit. Et que tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie me soit rendu maintenant au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie, que cela me soit rendu. Je récupère cela maintenant. Tu vas commencer à récupérer. Tu vas commencer à récupérer. Je récupère cela maintenant. Tout ce que l'ennemi m'a volé, je récupère cela maintenant au nom de Jésus. Vent du Saint-Esprit, souffle maintenant. Souffle maintenant. Souffle la récupération. Souffle la récupération. Et que tout ce que le diable m'a volé, alléluia, je le récupère maintenant au nom puissant de Jésus. Je récupère tout ce que le diable m'a volé. Commence à récupérer dans le nom de Jésus. Commence à récupérer. Récupère ta réputation. Récupère ton honneur. Récupère, bien aimé, ton étoile. Récupère tes enfants. Récupère ta stabilité. Récupère ton salaire. Récupère ton mariage. Récupère toutes les bonnes choses que l'ennemi a volées dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Vent du Saint-Esprit souffle. Dans la Bible, il est écrit, quand le Saint-Esprit avait soufflé de quatre vents, les ossements desséchés avaient repris vie. Les ossements desséchés s'étaient rassemblés. Tout ce qui était dispersé était rassemblé. Et que le vent du Saint-Esprit s'est
cette nuit puisse souffler et que tout ce qui t'appartient, qui a été dispersé partout, se rassemble maintenant devant toi, se rassemble et revienne à toi au nom de Jésus. Tout ce qui a été volé dans ta vie, qu'on a jeté au nord, qu'on a jeté au sud, qu'on a jeté à l'est, là où ton étoile est au nord, ton mariage au sud, on a jeté ton travail à l'ouest, que tout maintenant revienne à toi. Que le Saint-Esprit souffle et ramène à toi tout ce que tu as perdu dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit souffle et ramène à toi tout ce que tu as perdu dans le nom de Jésus. Que ce que tu as perdu te soit restitué. Que ce que tu as perdu te soit restitué. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, quelqu'un en train de prier, au Saint-Esprit souffle et que tout ce que j'ai perdu revienne à moi. Tout ce que le diable a volé, tout ce que le diable a vendu et qui m'appartient, que cela revienne à moi. Au nom de Jésus, car ma vie n'est pas à vendre. Car ma vie n'est pas à vendre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un en train de prier, quelqu'un en train de prier, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas dire au Saint-Esprit, très cher Saint-Esprit, souffle encore dans ma vie. Très cher Saint-Esprit, cette nuit, souffle encore dans ma vie. Souffle encore dans ma vie. Souffle encore. Et que tout ce que Dieu n'a pas planté dans ma vie soit englouti par ton vent, soit englouti par ton souffle, soit englouti. Bien-aimé, que tout ce que le Père n'a pas planté dans ta vie, que le Saint-Esprit engloutisse cela. Que cela soit ôté, que cela soit englouti par son souffle. Que le souffle du Saint-Esprit engloutisse la maladie, engloutisse les envoûtements, engloutisse, qu'il vienne engloutir cela, tel un aspirateur, qu'il aspire cela, qu'il aspire cela. Saint-Esprit, souffle encore dans ma vie, en cette nuit, et commence à aspirer, commence à engloutir tout ce que l'ennemi a planté dans ma vie, toute semence que le diable a planté dans ma maison, que cela soit maintenant aspiré, que cela soit maintenant englouti par ta puissance, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que cela soit aspiré, bien-aimé, que la maladie soit maintenant engloutie au nom de Jésus. Alléluia. Que la honte soit maintenant engloutie au nom de Jésus. Au nom de, que la stagnation soit maintenant engloutie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les pleurs, la tristesse soient maintenant engloutis au nom de Jésus. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie, que le Saint-Esprit engloutisse cela avec son souffle. Que le souffle de l'Esprit aspire cela. Que le souffle de l'Esprit aspire cela au nom puissant de Jésus. De la même manière que tu prends de l'aspirateur, et tu commences à aspirer ta maison. L'aspirateur aspire les saletés. Que le souffle de l'Esprit puisse aspirer maintenant tout ce que Dieu n'a pas planté. Que le souffle de l'Esprit puisse aspirer tout ce qui est des ténèbres dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que tu es dans la prière, que ce qui est, que le souffle de l'Esprit puisse maintenant aspirer. Puisse maintenant aspirer. Au nom puissant de Jésus. Que le souffle du Saint-Esprit aspire la maladie au nom de Jésus. Que la maladie soit engloutie. Que la maladie soit engloutie. Bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu les envoûtements. Il a vaincu les malédictions. Il a vaincu tout ce que le diable peut mettre contre toi. Et le Saint-Esprit aspire cela maintenant. Au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit aspire cela. Le Saint-Esprit aspire cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le Saint-Esprit aspire cela maintenant. Le Saint-Esprit aspire, enlève la sorcellerie. Toutes les semences de la sorcellerie sont maintenant ôtées, sont maintenant enlevées, sont maintenant détruites. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Cela est ôté dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelqu'un en train de prier, quelqu'un en train de prier dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus. Bien-aimé, ta vie n'est pas à vendre. Tu vas détruire, tu vas brûler toute chose qui avait été enterrée contre toi. Tu vas dire avec moi, toute chose maléfique enterrée contre ma vie, toute chose maléfique enterrée contre ma destinée, toute chose maléfique enterrée contre mes enfants, brûle maintenant au nom de Jésus, alléluia, brûle maintenant, prends feu maintenant. Que toute chose maléfique qui a été enterrée contre toi, que toute chose maléfique qui a été enterrée contre tes enfants, que toute chose maléfique qui a été enterrée contre ta vie, brûle maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un en train de prier, au nom puissant de Jésus,
Quelqu'un en train de prier commence à brûler toute chose maléfique qui a été enterrée contre toi. Peut-être qu'on a enterré contre toi l'échec. Peut-être qu'on a enterré contre toi les stagnations. Peut-être qu'on a enterré contre toi, bien-aimé, le célibat chronique. On a enterré quelque chose pour que tu sois toujours dans le célibat. Toute chose enterrée contre ma vie, contre ma percée, contre ma prospérité, contre mon élargissement, brûle maintenant au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de brûler cela? Est-ce que quelqu'un est en train de brûler cela? Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, toute chose enterrée contre ma vie, toute chose enterrée contre ma vie, toute chose enterrée contre ma maison, je t'ordonne maintenant de brûler, je t'ordonne maintenant de prendre le feu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que cela prenne le feu maintenant, que cela prenne le feu maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, bien-aimé, déclare cela, toute chose enterrée contre ta vie, brûle maintenant au nom de Jésus, toute chose enterrée contre ta maison, brûle maintenant au nom de Jésus. Toute chose enterrée contre ta famille, brûle maintenant. Toute chose qui a été enterrée, toute chose qui a été enterrée contre ta santé, brûle maintenant au nom de Jésus. Dans le nom puissant 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 de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier. Et tu vas dire avec moi. Tu vas dire avec moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, toute marmite de la sorcellerie qui boue contre ma vie, qui boue contre la vie de mes enfants, qui est utilisée contre ma destinée, oh que cela prenne le feu au nom de Jésus, toute marmite de la sorcellerie qui est utilisée contre ma vie, qui est utilisée contre ma famille, qui est utilisée contre mes enfants, je t'ordonne de brûler, je t'ordonne d'être dispersé, je t'ordonne d'être renversé, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un en train de prier, quelqu'un en train de détruire, au nom puissant de Jésus, les marmites de la sorcellerie qui sont en train de brûler contre toi, toute marmite de la sorcellerie utilisée contre moi, utilisée contre ma famille, je t'ordonne de brûler maintenant, au nom puissant de Jésus. Je t'ordonne de brûler maintenant, au nom puissant de Jésus. Je t'ordonne de brûler maintenant, au nom puissant de Jésus. Toute marmite de la sorcellerie utilisée contre ma vie, utilisée contre mes enfants, utilisée contre ma famille, utilisée contre mon futur, utilisée contre mon épanouissement. Je t'ordonne de brûler, bien-aimé, là où il y a une marmite des ténèbres qui a été préparée contre toi, qui a été préparée contre ta maison, qui a été préparée contre ta famille. Ordonne à cela de brûler. Ordonne à cela d'être renversé. Ordonne à cela d'être détruit au nom puissant de Jésus. 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 Toute marmite de la sorcellerie qui a été utilisée contre toi, brûle maintenant au nom de Jésus. Et anéantis maintenant au nom de Jésus. Et détruis maintenant au nom de Jésus. Toute marmite de la sorcellerie qui a été utilisée contre toi, brûle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas déclarer la bénédiction. Alors que je veux passer la parole au pasteur, nous allons prier pour la bénédiction, la libération de la bénédiction dans ta vie, la bénédiction dans ta destinée, la bénédiction dans ta maison, la bénédiction dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Nous allons déclarer la bénédiction. La bénédiction est mon partage. La bénédiction de Dieu est mon partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier ce soir, tu vas dire, la bénédiction de l'Éternel est mon partage. Je saisis ma bénédiction. Je ramène ma bénédiction à la maison dans le nom de Jésus. Je tiens la bénédiction que l'Éternel a déclarée pour moi au nom de Jésus. Commencez à prier dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, je viens ce soir, Père, pour déclarer, Seigneur, au Dieu ce soir, que la bénédiction de l'Éternel est mon partage dans le nom de Jésus. Je possède cette bénédiction. Je ramène cette bénédiction dans ma maison. Je ramène cette bénédiction dans ma vie dans le nom de Jésus. Je ramène cette bénédiction dans la vie de mes enfants. Je ramène cette bénédiction dans la vie de ma femme. Je ramène cette bénédiction dans ma famille au nom puissant de Jésus. Je suis condamné à être béni au nom de Jésus. Je suis condamné à prospérer à tous égards dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que la bénédiction de l'Éternel m'enrichit ce soir. Je déclare que la bénédiction de l'Éternel est mon partage dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. La bénédiction de l'Éternel est pour moi ce soir. Je déclare dans les noms de Jésus.
La bénédiction de l'Éternel est mon partage dans le nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare ce soir, parce que Christ m'a racheté, parce que Christ m'a sauvé, je suis maintenant bénéficiaire au nom puissant de Jésus par la bénédiction de Christ. Dans le nom de Jésus, je possède la bénédiction ce soir. Je possède la bénédiction ce soir. La bénédiction ce soir, la bénédiction de l'Éternel est dans ma vie ce soir au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je saisis cette bénédiction. Je saisis cette bénédiction. La bénédiction de l'Éternel est mon partage. Car Christ a dit ce soir que nous sommes bénis dans le lieu céleste en Christ Jésus. Alléluia. Je déclare ce soir la bénédiction d'en haut, la bénédiction du ciel, la bénédiction céleste, la bénédiction de Dieu et mon partage dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare ce soir que la bénédiction de l'Éternel est mon partage. Ah, je prospère à tous égards. Je suis prospère maintenant dans le nom de Jésus. Je prospère à tous égards. Je suis prospère dans le nom puissant de Jésus. Je possède le pays ce soir. Commencez à dire ce soir que tu possèdes le pays. Le pays par lequel tu te trouves t'appartient dans le nom de Jésus. Je possède le sol de ce pays. Je possède le territoire de ce pays, dans le nom puissant de Jésus, je déclare ce soir, je possède le territoire, dans le nom puissant de Jésus, je possède la bénédiction du territoire, je possède la grâce qui est sur le territoire, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je déclare ce soir, la Bible déclare, tout lieu foulera la plante de vos pieds, je vous donne en possession. Alors possède ce pays, possède le territoire ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Je viens maintenant posséder le territoire, je viens maintenant posséder la ville, je viens maintenant posséder les contrées, dans le nom de Jésus, car je suis riche en Christ Jésus, car la parole de Dieu a été libérée pour ma vie, que là où foulera la plante de mes pieds, il me donne en possession. Ah, je possède le pays ce soir. Je possède mon territoire ce soir. Je suis maintenant au large, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, tendre Père, parce que tu as dit dans ta parole, tout ce que toi tu dis, oh, ta main l'accomplit. Je déclare ce soir, là, l'endroit où je suis, m'appartient dans le nom puissant de Jésus. Oh, Père éternel, je me positionne ce soir dans la puissance de ton nom, Seigneur. Je me positionne ce soir sur la colline de gloire, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, victoire, victoire, par le nom de Jésus-Christ. Victoire, victoire, par le nom de Jésus. Oh, victoire, 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 par le nom de Jésus-Christ. Victoire, victoire, par le nom de Jésus-Christ. Victoire, victoire, par le nom de Jésus-Christ. Victoire, victoire, par le nom de Jésus. Oh, victoire, 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 par le nom de Jésus-Christ. Victoire, victoire, par le nom de Jésus-Christ. Victoire, victoire, par le nom de Jésus-Christ. Victoire, victoire.
gloire par les noms de Jésus-Christ, par les noms de Jésus-Christ, par les noms de Jésus-Christ, victoire, 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 par les noms de Jésus-Christ, victoire. Victoire, victoire, par les noms de Jésus-Christ. Victoire, victoire, par les noms de Jésus-Christ. Par les noms de Jésus-Christ. Oh, par les noms de Jésus-Christ. Oh, par les noms de Jésus-Christ, j'ai la victoire par les noms de Jésus. J'ai la victoire par les noms de Jésus. Je suis béni par les noms de Jésus. Oh, Jésus-Christ, par les noms de Jésus. Oh, j'ai la victoire par les noms de Jésus. Oh, je suis béni par les noms de Jésus. Oh, tu es béni par les noms de Jésus. Tu portes la victoire par les noms de Jésus-Christ. Par les noms de Jésus. Oh, par les noms de Jésus. Tu as la victoire par les noms de Jésus. Oh, tu es sauvé par les noms de Jésus. Oh, tu es sauvé par les noms de Jésus. Oh, tu as la victoire par les noms de Jésus. Oh, victoire, 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 par les noms de Jésus-Christ. Victoire, victoire, par les noms de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, amen, amen, amen. Parce que tu as la victoire ce soir. Parce que la victoire de l'Éternel t'appartient. La victoire de Christ t'appartient ce soir. La Bible déclare ceci que Jésus-Christ cria, « Père, tout est accompli. Tout est accompli pour que tu puisses prospérer à tous égards. Pour que tu puisses avoir la victoire en toi dans le nom de Jésus. » Le psalmiste dira, « Béni soit l'Éternel, mon rocher, car c'est lui qui me fortifie, car c'est lui qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. » Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas pouvoir maintenant encore proclamer la victoire. Que la victoire de Christ t'appartient. La victoire de Yeshua HaMashiach t'appartient dans le nom de Jésus. Commencez à mettre la victoire dans tes murs de ta maison. Commencez à proclamer la victoire dans ta chambre. Commencez à mettre la victoire dans ta cuisine. Commence à mettre la victoire sur les relations qu'il y a dans la famille. Sur les relations des enfants. Au nom puissant de Jésus. Proclame la victoire dans le nom de Jésus. Tu vas dire ce soir, je déclare la victoire de Christ m'appartient ce soir. La victoire de Christ est dans ma maison. Je viens coller la victoire de Christ sur mes murs de ma maison au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier ma rabogé au nom puissant de Jésus? Je possède la victoire ce soir. Je possède la victoire de Christ ce soir. Et je déclare ce soir dans le nom qui m'a été conféré, dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Je viens coller la victoire sur le mur de ma maison. Je viens coller la victoire dans chaque relation qui est dans ma maison. Dans le nom puissant de Christ et Jésus. Je viens proclamer la victoire dans ma chambre. Je viens proclamer la victoire dans ma cuisine. Je viens proclamer la victoire en ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus. Et que cette victoire soit totale. Et que cette victoire soit vue. Au nom puissant de Christ et Jésus. Je viens proclamer la victoire. Je viens
viens proclamer la victoire, car la victoire de Christ m'appartient, certainement, au nom puissant de Jésus. La victoire de Christ est commencée maintenant à pénétrer dans les chambres. La victoire de Christ est commencée à crier à haute voix que je suis victorieux, que dans cette maison, il y a la victoire de Christ, au nom puissant de Christ et Jésus, de maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je proclame la victoire, je proclame la victoire, dans le nom de Jésus, je viens coller la victoire dans le panneau, Seigneur, de gloire de ma maison, je viens coller la victoire dans le mur de ma maison, je viens coller la victoire sur la table de mon cœur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Dans maintenant et à jamais, au nom de Jésus, alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas commencer à annuler ce soir, tu vas annuler le divorce, tu vas annuler la perte de sang, tu vas annuler toute confusion dans ton foyer, dans ta famille, dans le nom de Jésus, parce que tu possèdes la victoire. Tu vas dire, je déchire maintenant le divorce, je déchire maintenant la lettre de divorce, je déchire maintenant le voile de la malédiction, je déchire maintenant toute confusion démoniaque et satanique dans le nom puissant de Jésus. Rabâché au nom de Jésus. Commencez à prier ce soir, commencez à déchirer ce soir, parce que le pouvoir t'a été donné, la victoire t'a été donnée. Christ dira, Père, je les ai donné la gloire pour qu'ils puissent dominer, qu'ils soient un comme nous. Maraboché que rabassaya. Je déclare ce soir, je viens déchirer maintenant le rideau, Seigneur, de quoi, de la malédiction. Je viens déchirer maintenant le voile, Seigneur, de ténèbres dans mon foyer, dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus, parce que je possède de la victoire dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je viens annuler ce soir, je viens annuler ce soir toute confusion démoniaque et satanique dans le nom de Jésus. Soit que conflit, Seigneur de Père, qui peut, Seigneur de qui veut, le Seigneur de Père, me paralyser, et que cela soit maintenant foudroyé, et que cela soit déchiré par le nom de Jésus, car il a déchiré les actes dont nous vous condamnez, sur qui est sur à la croix. Il a ôté de gloire, il a mis cela en spectacle, en le clouant d'elle à la croix dans le nom de Jésus. Je déclare ce soir toute célèbre condamnation est maintenant nulle, sans effet, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu vas appeler maintenant. Tu vas appeler maintenant la lumière de Christ dans ta maison. La Bible déclare, nous sommes des enfants de lumière. Nous devons marcher selon la lumière de Christ. Alors tu vas inviter la lumière de Christ dans ta maison. Tu vas inviter la lumière de Christ dans ton cœur. Tu vas ramener la lumière. Tu vas dire, je ramène la lumière de Christ dans ma maison. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier ce soir dans le nom de Jésus? Invite la lumière de Christ. La Bible déclare, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bien-aimé dans le Seigneur, commencez à invoquer, commencez à demander la lumière, que la lumière éclaire là où il y a les ténèbres, et que la lumière puisse dissiper les ténèbres dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame la lumière de Christ, parce que je suis un enfant de lumière, et je déclare cette lumière apparaît maintenant dans chaque domaine de ma vie, dans chaque situation de ma vie, de maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus. Que la lumière brille, que la lumière brille, la lumière de Christ Jésus le roi, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame cette lumière, je proclame cette lumière dans le nom puissant de Jésus, et que la lumière puisse maintenant anéantir les ténèbres, et que la lumière puisse effacer les ténèbres dans le nom de Jésus. Que la lumière puisse évacuer les ténèbres maintenant au nom puissant de Jésus, et que
que la lumière apparaît, et que la lumière apparaît, car Christ dira, sois éclairé, car ta lumière arrive, ma lumière est déjà là, je proclame cette lumière dans mon cœur, dans ma vie, dans ma maison, dans ma marche spirituelle, dans le nom de Jésus, dans la vie de mes enfants, dans la vie, Seigneur de gloire, Père, ô Dieu de gloire, de ma société, dans la vie, Seigneur, ô Dieu de ton peuple, recevez cette lumière, et que la lumière de Christ vous touche maintenant, et que la lumière de Christ vous localise ce soir, dans le nom puissant de Christ et Jésus, dans le nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Il est vivant. 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 Alléluia, alléluia. Il est vivant. Alléluia, alléluia. Il m'a béni. Il m'a béni, il m'a béni, Jésus m'a béni, il m'a béni, alléluia, alléluia, oh il m'a béni, alléluia, alléluia, oh il est vivant, il est vivant, il est vivant, Jésus il est vivant, il est vivant, alléluia, alléluia. Oh, il est vivant, alléluia, alléluia. Il m'a gardé, il m'a gardé, il m'a gardé pendant le Covid. Il m'a gardé, alléluia, alléluia. Oh, il m'a gardé, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a racheté, il m'a racheté, il m'a racheté, Jésus, il m'a racheté, il m'a racheté, alléluia, alléluia, oh, il m'a racheté, alléluia, 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 Jésus, alléluia. Alléluia, 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 oh, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 il m'a sauvé, alléluia, 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 chantons pour lui, 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 alléluia, alléluia. Chantons pour lui, alléluia, 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 oh, chantons pour lui, alléluia, 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 Yahweh, alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Je suis béni en Christ. Je suis restauré en Christ. Je suis enrichi en Christ. Je suis mis au large en Christ. Le haut-bord m'appartient ce soir.
Ah, je suis en train de posséder les territoires. Je suis en train de vivre la main de l'Éternel sur ma vie. La Bible déclare, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, pour délivrer, pour ramener la victoire, pour prendre quelqu'un en charge. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas proclamer cette main. Cette main, elle est si longue. La Bible déclare dans Ésaïe 59, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, pour te secourir. Alors tu vas demander cette main, la main invisible mais présente, la main de Dieu miraculeuse, soit dans ta vie, soit dans ton corps, soit dans ta marche. Oh, que la main de l'Éternel de désarmer te protège, que la main de l'Éternel soit vue au-dedans de toi, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, dans tout ce que tu vas entreprendre et dans tout ce que tu as déjà entrepris, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux proclamer cette main de Dieu, la main de Dieu invisible mais présente, la main de Dieu, elle est si longue pour toucher, tout pour toucher, frères et sœurs. La main de Dieu n'a pas de barrière, la main de Dieu n'a pas de limites, frères et sœurs. Ça peut aller même quand tu es aux États-Unis, ça peut te toucher. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à proclamer cette main et que cette main soit dans ta marche, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je viens proclamer cette main parce que la Bible ne ment jamais. La Bible, ah, c'est une parole inspirée par Dieu. La Bible, c'est la parole de Christ. Je déclare cette parole dans ce soir. Oh, que la main de l'Éternel m'environne, que la main de l'Éternel soit mon partage, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que la main de l'Éternel, que la main de l'Éternel, que la main de l'Éternel soit mon partage, dans le nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Je déclare la main de l'Éternel, la main de l'Éternel sur ma vie, la main de l'Éternel sur mes enfants, la main de l'Éternel en moi, oh, sur moi ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que la main de l'Éternel m'environne, me protège ce soir. Ah, je suis secouru par la main de Dieu. Je suis secouru par la main de l'Éternel, parce que la main de l'Éternel a la capacité nécessaire pour me soulager, pour m'emporter, pour me donner la victoire, dans le nom de Jésus. Je viens proclamer cette main, je viens proclamer cette main dans tout ce que je vais entreprendre, dans tout ce que, Seigneur de gloire, je vais effectuer, dans le nom de Jésus, dans le distance parcourue, dans le distance effectuée, dans le nom de Jésus. Je déclare cette main, Seigneur, dans mon foyer. Je déclare cette main invisible, mais présente, la main de Dieu, la main de Dieu sur ma vie, la main de Dieu sur ma vie, parce que Dieu a jugé bon de me diocer, Dieu a jugé bon de m'acquitter, Dieu a jugé bon de me sanctifier, Dieu a jugé bon de me mettre mis à part. Voilà pourquoi la main de Dieu doit pouvoir toucher ma vie. Ramacha Rabashia, au nom puissant de Jésus, que la main de l'Éternel te touche ce soir, que la main de l'Éternel te touche ce soir, là où tu es, où que tu sois, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare ce soir que la main de l'Éternel soit dans ta vie maintenant, au nom puissant de Jésus, et que la main de l'Éternel puisse te réveiller maintenant dans le sommeil, et que la main de l'Éternel puisse te donner la victoire contre la maladie, au nom puissant de Jésus. Que la guérison s'installe, que la restauration s'installe sur ta vie dans le nom de Jésus. De maintenant et à jamais, reçois cela. Reçois cela et que cela soit ton partage ce soir. Et que cela soit ton partage ce soir. Je viens déclarer que la main de l'Éternel te localise. Que la main de l'Éternel te saisisse. Que la main de l'Éternel te touche maintenant. Au nom puissant de Jésus. Comme Christ a touché simplement le cercueil. Oh, de ce mort. Alléluia. Et le mort est revenu à la vie. Je déclare maintenant que la vie pénètre en toi. Parce que la main de l'Éternel était, oh, était réellement irrévocable. Dans le nom de Jésus, et que la main de l'Éternel te localise dans le nom de Jésus, là où tu te trouves, et que la douleur puisse quitter ton corps, et que la douleur puisse quitter ta vie, au nom puissant de Jésus. Tu n'es plus condamné, mais tu es maintenant libre, au nom puissant de Jésus, de maintenant et à jamais. De maintenant et à jamais, je déclare la main de l'Éternel sur toi. Je déclare la main de l'Éternel dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et que la main de l'Éternel puisse signer des contrats
contrat que tu attendais dans le nom de Jésus. Que la main de l'Éternel puisse signer des accords. Ah, marabouché. Des accords agréables. Afin que tu puisses aller dans la prospérité. Et que tu puisses jouir le meilleur de Dieu dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Reçois cela. Et que tu puisses manger la manne du ciel. La manne d'en haut. Dans le nom de Jésus. Et que Dieu puisse pourvoir à tous tes besoins. Au nom puissant de Jésus. Donc maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus, alléluia, au nom puissant de Jésus, alléluia. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oh, Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Écoutez, je suis en Jésus, je suis en Jésus, je suis en Jésus dans ma vie. J'avais touché son vêtement, Jésus-Christ m'a délivré. Je suis en Jésus, je suis en Jésus, je suis en Jésus, je suis en Jésus dans ma vie. J'avais touché son vêtement, Jésus-Christ m'a sauvé. Je suis en Jésus, je suis en Jésus, je suis en Jésus, je suis en Jésus dans ma vie. Oh, j'avais touché son vêtement, Jésus-Christ m'a guéri. Je suis en Jésus, je suis en Jésus, je suis en Jésus, je suis en Jésus dans ma vie. Oh, j'avais touché son vêtement, Jésus-Christ m'a ressuscité. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur, que l'eau de vie soit dans ta maison, que la source d'eau vive soit dans ta maison au nom de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu vas demander à Dieu ce soir que la source d'eau vive puisse sortir dans ta maison, puisse tomber dans ta maison et que cela soit le partage de ta vie. Frères et sœurs, quand nous parlons de l'eau de vie, quand nous parlons de la source de l'eau vive, frères et sœurs, cela veut dire l'abondance de Dieu. Cela veut dire la richesse de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'or et l'argent appartient à Dieu. Tu ne peux pas rester, mes bien-aimés, pauvres. Non, tu ne peux pas rester, mes bien-aimés, dans le dette. Non, il faudra que ça finisse au nom de Jésus. Voilà pourquoi tu vas revendiquer tes droits. Parce que frères et sœurs, la Bible déclare, il dit ceci, que non, il a tracé un projet de bonheur et non de malheur pour notre avenir, pour que nous puissions espérer à tous égards, pour que nous puissions aller de gloire en gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas demander la source d'eau vive puisse jaillir dans ta maison au nom de Jésus, afin que cela puisse arrêter l'hémorragisme, bien-aimé, de la sécheresse, de la disette, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Bien, mais nous sommes en train de prier. Ne dors pas, frères et sœurs, car l'Éternel entend le cri de ses enfants, car l'Éternel exauce. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. En d'autres termes, invoque-moi, demande-moi ce que tout ce que tu as besoin, je te donnerai en héritage, je te donnerai en possession. Ramachaya. Ah, mes bien-aimés dans le Seigneur, commencez à prier ce soir. Nous voulons ce soir que la source d'eau vive puisse jaillir
dans notre vie, jaillit dans notre maison, et que cela puisse arrêter l'hémorragie de la pauvreté, l'hémorragie du manquement, l'hémorragie de la disette, l'hémorragie, mes bien-aimés, de l'angoisse, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier ce soir que la source d'eau vive puisse jaillir en toi? À la Bible déclare, celui qui croit en moi, le fleuve d'eau vive couleront de son sein. Ainsi dit l'Éternel des armées. Mes bien-aimés dans le Seigneur, prends la parole de Dieu, mets ça sur la table. Mets ça sur la table de ton cœur. Commence à proclamer cette parole dans le nom de Jésus. Mon Père, je viens déclarer ce soir que la source d'eau vive, l'abondance de la source d'eau vive est dans ma maison ce soir. Dans le nom de Jésus, je veux ce soir que la source d'eau vive puisse arrêter l'hémorragie de la pauvreté, de la disette, du manquement. Au nom puissant de Jésus, je ne vais plus aller demander, mais je vais donner aux gens, je vais prêter aux gens, dans le nom de Jésus. Je ne vais pas emprunter, mais je vais prêter aux gens, dans le nom puissant de Jésus. Mon Père, je déclare ce soir que la source d'eau vive puisse jaillir dans mon cœur, jaillir dans ma maison, de maintenant et à jamais, de maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Jésus. Ah, je proclame cette victoire, ah, je proclame cette source d'eau vive, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je veux ce soir, Seigneur, que Seigneur la disette puisse libérer ma vie. Je finis avec la disette, finis la souffrance, finis le temps, Seigneur, de ma paix, où je vais commencer toujours à pleurer. Maintenant, c'est le temps de l'abondance. Maintenant, c'est le temps de la réjouissance. Maintenant, c'est le temps, Seigneur, de joie. Ah, parce que la Bible déclare, dans son palais, tout s'écrit gloire. Je veux cette gloire m'envahisse au nom puissant de Jésus, de maintenant et à jamais. Mon Père, je décide ce soir, ô Dieu de gloire, de pouvoir, Seigneur de gloire, Père, prospérer à tous égards, que cette eau de vie, Seigneur, puisse couler dans mon sein, puisse couler dans ma vie, puisse couler dans ma maison, afin que cela puisse arrêter, Seigneur, ô Dieu, toute pauvreté, toute calamité, toute disette, au nom puissant de Jésus. Ah, que l'abondance soit dans ma maison, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu vas dire à Dieu ce soir, oh Père éternel, je décide le bon temps. Je décide le bon temps ce soir. Que le bon temps arrive. Que ma saison arrive. Que mon climat arrive. Alléluia, que, alléluia, mon Que ma situation change dans le nom de Jésus. Ah, tu commences à prier ce soir et que Dieu puisse te ramener dans sa saison maintenant au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare, mes bien-aimés, nous sommes une plante plantée près d'un courant d'eau. Il donne son fruit à sa saison. Tout ce qu'il lui fait, lui réussit au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à proclamer ce soir, car tu es béni ce soir, car la bénédiction t'appartient. Frères et sœurs, il ne faut pas refuser la bénédiction. Frères et sœurs, il ne faut pas minimiser la bénédiction de l'Éternel. Frères et sœurs, il ne faut pas minimiser ce que l'Éternel te donne. À commencer à proclamer ce soir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je proclame ce soir. Je proclame ce soir, je suis planté près d'un courant d'eau. Ah, je déclare ce soir, je possède le fruit. Je vais manger le fruit digne. Je vais manger le fruit meilleur dans le nom puissant de Jésus. Ah, je déclare ce soir. Je déclare ce soir que je suis en Christ. Ah, je suis sous l'ombre du Tout-Puissant, à l'abri du Très-Haut, dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi je possède maintenant la réussite. Voilà pourquoi je possède maintenant la victoire dans ma vie. Voilà pourquoi je possède la bénédiction de l'Éternel. Car la Bible déclare, la bénédiction de l'Éternel, elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je refuse maintenant le chagrin, je refuse maintenant la calamité, je refuse maintenant la perte, je refuse maintenant toute confusion au de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. J'accepte la bénédiction de l'Éternel, j'accepte maintenant la bénédiction de Christ dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Oh, quelle grâce, quelle grâce. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand nous voyons l'or, mais bien aimé dans le Seigneur, l'or, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est une matière précieuse. Alléluia. Mais bien aimé, l'or et l'argent t'appartient. L'or et l'argent t'appartient. Commencez à dire, l'or et l'argent m'appartient. Frères et sœurs, commence à décider maintenant que l'or soit dans ta maison. Que l'or soit dans ta maison. Que l'argent soit dans ta maison. En fait, quand on parle de l'argent, ce n'est pas des billets de banque là, mais c'est la pierre précieuse encore. Alléluia, qu'on appelle l'argent. Alléluia, tout ce qui est en argent, frères et sœurs, soit le partage de ta vie. Mais bien aimé, quand tu as l'or, tu as les billets. Quand tu as l'or, tu as la monnaie de banque. Quand tu as l'or, tu es riche. Commence à proclamer, frères et sœurs. Mais bien aimé, ne minimise pas, ne refuse pas cet or de Dieu, ce diamant de Dieu, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à proclamer ce soir, dans le nom de Jésus, et que dans ta poche et que dans ton grenier et que cela soit rempli de l'or, rempli d'argent ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Paye au travers de ces robots. Seigneur, je décide ce soir, Seigneur, oh Dieu de gloire, de vivre l'or. L'or, Seigneur de gloire, soit dans ma maison. Que l'or rentre dans ma poche. Que l'or rentre dans mon grenier. Que l'or rentre dans mon panier. Que l'or rentre, Seigneur de gloire, paye. Oh Dieu de gloire, dans ma vie, Seigneur, dans le nom de Jésus, car l'or et l'argent t'appartient. Éternel, je m'appartiens à toi. Je vis que pour toi. Ma vie est pour toi. Je suis dorénavant, oh, le temple de Dieu, la propriété de Dieu. Alors, je possède cet or. Cet or m'appartient. Ce diamant m'appartient. Cette huile, Seigneur, le Père, ça m'appartient. Cet argent m'appartient. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu vas proclamer ce soir que l'Éternel Dieu puisse donner la santé meilleure, la bonne santé. Alléluia. Que tu puisses vivre longtemps. Mais bien aimé dans le Seigneur, que tu puisses vivre longtemps. Tu vas commencer à sceller cette parole. Tu vas commencer à dire, Seigneur Dieu, je vais vivre longtemps. Je vais avoir la longévité le plus absolu dans ma vie, pour ma famille, pour mes enfants, dans le nom de Jésus. Je vais voir au moins 4 générations, alléluia, successives, dans le nom puissant de Jésus. Je vais vivre réellement, oh Père éternel, Dieu de gloire, dans une durée, Seigneur de gloire, Père extraordinaire. Est-ce que tu peux commencer à prier ce soir? Commence à prier ce soir. La longévité est ton partage. La longévité soit dans ta maison et que tu puisses vivre et que tu puisses avoir la bonne santé. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, la santé vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui donne la santé. C'est l'Éternel qui donne, alléluia, que la personne puisse vivre longtemps. C'est l'Éternel qui avait décidé que vous allez vivre longtemps. Ramachaya, au nom puissant de Jésus. Ah, que la longévité soit le partage de mon cœur, soit le partage de ma vie ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Je viens maintenant déclarer que la longévité soit dans la vie de mes enfants, la longévité soit dans ma maison, la vie, Seigneur de gloire, Père de ma femme. Oh Père éternel, je vais voir, Seigneur de gloire, je vais manger, Seigneur, le fruit meilleur, je vais rassasier de mes jours. Oh, je vais être, oh Dieu de gloire, capable de pouvoir dire, oh, je suis rassasié de ces jours que l'Éternel m'a donné, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. C'est pour cela que j'annule maintenant la mort précoce, la mort subite, au nom de Jésus. Le crise cardiaque est annulé ce soir, oh, à l'AVC, est consumé ce soir, dans le nom de Jésus. La paralysie est consumée ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Et je proclame la longévité dans ma vie. Je proclame la longévité ce soir, dans le nom puissant de Jésus. De maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Nous vainquons Satan, nous vainquons le démon, nous vainquons les sorciers par le nom de Jésus. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Chantons-les, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, allez, oh, chante, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, oh, chante, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, allé. Oh, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Oh, chante, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, oh, chante, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, alléluia, oh, chante, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, oh, chante, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, oh, oh Yahweh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, oh, oh Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, oh, oh Shiloh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, oh Jésus-Christ, il n'y a que toi, il n'y a que toi, oh, oh Yahweh, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Oh, dans ma vie, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Oh, oh Shiloh, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Béni soit ton nom, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Dans ma vie, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Oh, oh Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Oh, oh Shiloh, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Béni soit ton nom, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Oh, oh Yahweh, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Laisse-moi louer, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Oh, oh Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Béni soit ton nom, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Oh Jésus-Christ, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Le pourvoyeur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Shiloh. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Yahweh. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire à Dieu que Dieu puisse te protéger. Alléluia. Durant ce temps qui nous reste. Frères et sœurs, nous sommes arrivés presque au terme de cette année. Alléluia. Il nous reste que 2 mois pour qu'on puisse finir cette année. Alors tu vas demander à Dieu que Dieu puisse te préserver du mal, que Dieu puisse garder ta vie, que Dieu puisse garder ton foyer, ta famille dans le nom de Jésus. Et que dans cette année nouvelle qui va commencer, que tu puisses témoigner la gloire de Dieu, que tu ne puisses pas pleurer et que Dieu puisse essuyer tes larmes dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux prier ce soir dans le nom de Jésus? Alléluia. Tendre Père, nous voici devant toi Seigneur, nous voici devant ta présence, Seigneur. Nous voulons te confier, Seigneur, oh Dieu.
Le mois qui nous reste, Seigneur, le jour qui nous reste, Seigneur, nous voulons finir, Seigneur, cette année avec joie, avec témoignage, avec des exploits dans nos vies. Car la Bible déclare, Seigneur, si toi tu es avec nous, Seigneur, qui sera contre nous, Seigneur? Oh Dieu, avec toi nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Éternel Dieu, je me confie à toi. Je recommande les jours, je recommande les semaines, je recommande les mois, je recommande le temps. Oh, tes saintes mains. Éternel Dieu, permet que nous puissions fêter avec joie, avec réjouissance, avec Seigneur de gloire, paix, éclat de joie dans les noms de Jésus. Éternel Dieu, sécurise les familles, les vies, Seigneur, de tes enfants, Seigneur, qui vont voyager, qui vont aussi même, Seigneur de gloire, paix, rester en place. Éternel Dieu, manifeste-toi dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Éternel, bénis ton peuple. Éternel, surveille ton peuple. Éternel, garde ton peuple fidèle à toi. Car ce sont des troupeaux, le troupeau de ton pâturage. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. De maintenant et à jamais. Dans les noms de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Manifeste-toi de s'agir. Manifeste-toi, de Saint-Jirabi, manifeste-toi, de Saint-Orabi, manifeste-toi, de Saint-Jirabi, manifeste-toi, de Saint-Jirabi, manifeste-toi, de Saint-Protège, manifeste-toi, de Saint-Béni, manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi, descends, protège, manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi, descends, agis, habillé, oh, habillé, oh, habillé. Oh rabillé, oh rabillé, oh rabillé, oh rabillé, oh rabillé, 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 rabillé. Oh, manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi, descends et sauve, manifeste-toi, descends, guéris, manifeste-toi, descends, bénis, manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi. Oh Rabbi, manifeste-toi. Ah, ah, Yahweh, Mabi, manifeste-toi. Ah, ah. Seigneur, oh Dieu de gloire, merci pour ce temps merveilleux. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous te disons merci, Père, pour ce temps oh, glorieux que tu nous donnes, Seigneur, afin que nous puissions passer des temps avec toi. La Bible déclare, vaut mieux passer, Seigneur, des minutes devant ta présence que de passer mille ailleurs. Éternel Dieu, nous te sommes reconnaissants pour la force, l'endurance, la ténacité, l'exaucement, Seigneur. Oh Dieu, parce que tu nous ramènes, Seigneur, au large. Merci, Père éternel, car tu nous as donné la force de pouvoir être encore, Père éternel, devant ta présence. Béni soit ton nom, Seigneur. C'est devant ta présence que c'est là où nous trouvons notre force. C'est là que nous avons, Seigneur, la joie de vivre. C'est là que nous, Seigneur, devant nous sentons, Seigneur, que nous sommes, Seigneur, en sécurité. Béni soit ton nom, Seigneur. Je recommande ton peuple. Je bénis ton peuple ce soir, Seigneur. Éternel, qu'il y ait un signe de ta part dans leur vêtement. Qu'il y ait un signe de ta part dans leur corps. Qu'il y ait un signe de ta part dans leur système de pensée. Dans les noms de Jésus. Père éternel, je te prie dans les noms de Jésus de mettre un bouton de victoire dans leur chemise maintenant, dans le nom de Jésus, de maintenant et à jamais. Tendre Père, je déclare, Seigneur, la pluie de la bénédiction, soit le partage de tes bien-aimés ce soir, au nom puissant de Jésus, à celui qui peut nous préserver de tout mal, Jésus-Christ,
le Seigneur, Jésus-Christ, le véritable, Jésus-Christ, le Dieu puissant. Oh, vous garde, vous protège dans les noms puissants de Jésus, dans maintenant et à jamais. J'ai ainsi prié, éternel Dieu de gloire, bénis ton peuple et que ce temps de repos, Seigneur, soit doux et paisible. Garde-nous, Seigneur, fidèles à toi et que nous puissions avoir, Seigneur, oh Dieu, la révélation venant de toi et que nos rêves soient, Seigneur, de gloire, paix, oh Dieu, gardés par toi, sécurisés par toi dans les noms de Jésus. Et que cela, Seigneur, qui n'arrive pas à rêver, qui puisse commencer à rêver maintenant. Cela qui n'arrive pas à capter le rêve, Seigneur, qui puisse commencer à capter le rêve maintenant dans les noms puissants de Jésus, dans les nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons tous un bon amen. Amen, 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 amen. Victoire, oh, victoire, victoire, par le nom de Jésus-Christ. Victoire, victoire, par le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons donc nous retrouver donc le dimanche, n'oubliez pas le dimanche à partir de 11h. Shalom, 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 que le Seigneur vous bénisse. Aimez la vidéo avant de quitter, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, nous te louons.
toi le Dieu de mon salut. De mon salut. En toi je la vie éternelle. Tu rends mes pieds. Tu rends mes pieds. Semblable aux vies. Et je marche dans mes lieux élevés. Seigneur, tu rends mes pieds. Tu rends mes pieds. Semblable aux vies. Semblable aux vies. Et je marche dans mes lieux élevés. C'est toi le Dieu. C'est toi le Dieu. De mes batailles. De mes batailles. En toi je suis plus que vainqueur. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de Prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.